Puis, comment on se sent? Hey, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Mais vous auriez pas quelque chose de plus familial, tu sais, vous savez, avec mon épouse puis les enfants, on risque d'être un petit peu squeezé, non, hein? Écoute, là, quand tu t'achètes une paire de culottes, là, tu veux quelque chose de tête, hein? Tu veux avoir l'air cher dans tes culottes. On veut tous avoir l'air cher dans nos culottes. Ben, ça dépend, là. Un char, c'est la même chose. C'est comme un vêtement que tu portes. Tu sais, c'est plus que ça. C'est comme le prolongement de ton aura. Hey, on t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Tom Cruise, toi? Non, c'est jamais arrivé. Écoute bien, ma superstar, là. Va faire un tiro de test. Embarque sur la 132, pop le roof, puis monte jusqu'à Sorel avec ta brune dans le tapis, là. Tu vas te catcher. Ah, oui. Oui, probablement. Mais le problème, c'est que moi puis mon épouse, on fait beaucoup de plein air. On adore le camping. Puis je suis pas convaincue du côté pratico-pratique, là. Je suis pas sûre. Côté pratico-pratique, ben voyons donc, t'es-tu déjà allé faire du camping en Viper GTS, toi? Non, jamais. Non, c'est jamais arrivé. Que tu vas rentrer dans le camping avec ça, et retour laveur vont faire le line-up et laver ton char gratis, ceci. C'est pas fait, il y a juste à sortir, c'est moi, ça. C'est super drôle. Mais à vrai dire, je sais pas pourquoi, là, on dirait que je suis pas sûre que tout notre équipement va rentrer, là. Ce modèle-là, il rentre peut-être du stock dans le coffre. Mais gens qui rentrent du stock dans ce coffre-là, écoute, t'as de la place en masse pour un gros subwoofer de 12 pouces puis au moins deux boîtes de condoms. T'as dit? OK. Mais mettons pour une tente, une tassière, trois, quatre sleeping bags, tu prends Coleman, tu sais, des petites affaires de même, là. Arrête, là, OK? T'as dit, y en a pas de problème. Faut payer, là, si ça rentre pas, là, à la vitesse qu'il va, ce char-là, t'en prends deux voyages. Allô, si, Viper GTS, c'est une chose. Ben oui. Puis, pour l'hiver, ça, c'est-tu un véhicule qui est fiable pour l'hiver? Écoute, ce char-là, là, il a été conçu pour l'hiver. Tu mets ça sur le cruise control à 160, là, paf! 2 jours après, c'est en pleine ride! Hey, si tu m'as pensé à ton goût, si. Hey, là, fais attention, par exemple, là. Parce que si tu te promènes à Miami au volant de ce char-là, là, c'est sûr que tout le monde va penser que tu es Tom Cruise. Watch out, man. Watch out. Watch out. Vous trouvez vraiment que j'y ressemble? C'est carré. Assis dans le char, là, comme 2 gouttes d'eau. Bon, ben, je vais y penser. Oui, je pense que. Je l'aime bien, oui, mais j'y pense un petit peu, là. Ben, viens dans mon bureau, moi. M'a sorti le contrat, on va y penser ensemble. OK. Tu prendrais-tu un petit café? OK.